Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous pour ce, j'allais dire nouveau numéro, non, cette nouvelle heure de gameplay sur Resident Evil 0. Je lance tout de suite une heure pour pas perdre de temps. On venait d'acquérir le pendentif vert que je vais devoir passer à Rebecca. Et ensuite, on va continuer d'explorer le haut du truc. On va devoir redescendre parce que il y a encore une énigme à faire en bas, une autre pièce. On a trouvé une bobine de téléphérique. On savait pas qu'il y avait un téléphérique. Mais en tout cas, on a plutôt bien avancé. Alors, on va envoyer. Gratte, gratte, gratte. Ça, là-bas. Est-ce que je lui envoie la bobine de téléphérique? Oui, parce que c'est le téléphérique qu'on avait vu en bas. Là où elle dit c'est trop haut pour sauter. Il y avait un téléphérique dessous, donc je suppose qu'on va devoir le choper. Qu'on va lui envoyer la bobine. Ou alors c'est le truc d'en bas. Quoi qu'il en soit, on va faire un échange de bons procédés. Bah tu sais quoi, on va utiliser ça parce que j'en ai marre. Et on va lui filer la bobine. On sait jamais. Mais j'ai cru voir un téléphérique là où elle était. La grosse caisse bleue en dessous de la sauvegarde là. Si ça vous parle. Donc on va être parti. Ah. Bon, en tout cas, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on fasse les autres ou pas? On va prendre la bobine, oui. Alors, c'est pratique, c'est juste là. C'est ma faute. J'ai cliqué au lieu d'utiliser. Tu me diras, s'il fallait pas la bobine, c'est pas bien loin. La serrure est débloquée. J'ai pas sauvegardé. Mais je me suis soigné. Les autres erreurs, ouais. Agent stérilisant. Oh, le nirvana de la munition. J'aime pas ça. Merci, mais c'est un cadavre qu'il y a là-dedans. Un cadavre dans un sac de morgue. On dirait qu'on l'y a placé sans plus de cérémonie. Oui, pas en même temps. Je ne dis pas non, après je les connais pas tous, j'ai vu le 0, je fais le 5, le 6 et j'ai vu 7 et 8. Ok. On se casse de là en 2-2. Ah, on est dans la pièce où il y a le gaz, on va pouvoir utiliser le système. Là. Hop, on va pouvoir extraire le gaz. Ça va avancer plutôt vite là maintenant. Ah! En plus, c'est une toute petite salle avec tant de chargements. Oui, bah j'ai pas le choix, c'est une porte. Mais oh, c'est une blague! What? La clé sur laquelle est gravé le visage d'un monstre. Hé. Retour ici. Ça a ouvert la porte avec le temps de chargement, mais la porte a disparu
qui m'a laissé une seule pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle cette bâtard. Je crois que j'étais en sécurité dans la pièce. Donc il va falloir envoyer la bobine à l'autre. À Johnny Bobine. Parce qu'il va être en bas. Yup. Mes amis, il serait peut-être judicieux de sauvegarder, non ? Je suis en train de me dire. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sauvegardé là. Donc pour vous, pour la VOD, ça fait que le début de la game, mais si vous remarquez bien, depuis le dernier épisode, on n'a pas sauvegardé. Et là, ça pue un tout petit peu du cul. Je peux pas sauvegarder en bas, donc faut que je sauvegarde en haut, il faut que j'aille dans la salle. Je vais y aller. Vous savez quoi, je vais porter mes cacahuètes. Et on va tenter une run. Là, de toute façon, je cours. J'ouvre la porte, couloir, gauche, sauvegarde. Y a pas le temps de niaiser là, les zombies tout pourris. Il leur faut 3 heures pour venir là où je suis. Et au pire on fera demi-tour. Ça va taper la meilleure sauvegarde. Toujours une de plus. On sait jamais. Et logiquement, la clé, ça nous permet de passer. Ah bon. Ah bah merde. Ah, tu vas me dire que c'était de l'autre côté? Je crois que c'était là, moi je suis dégoûté. Oupsie. À quoi ça peut servir? Qui est en bas. Il n'y a pas de porte dans la pièce. Il n'y a que 2 portes fermées. Ok. Et là, en bas, il y a une porte fermée. Pour remettre le téléphérique en marche. Ok. Ok, avec une tête de tigre ou je sais pas quoi. Sur laquelle est gravée.
Internet. Parce que là, il y a deux portes ouvertes, j'ai pas envie de courir de partout. On va regarder vite fait. Alors. C'est plein de pubs, hein, c'est une cata. Oh là là. Alors. Il y a des pubs de partout. Ok, c'est bien ce qu'on a fait pour l'instant. Ressortez de la pièce, utilisez la clé de la salle d'élevage sur la porte verrouillée du couloir. Donc... juste le truc où c'est marqué c'est fermé, c'était cette porte là. Je voulais pas tester tout. Donc c'est bien ce que j'avais dit, j'avais raison. Pour l'instant, on est pas mal. Je vais juste être sûr. J'espère que vous m'en voulez pas, mais au bout d'un moment, ils sont longs les jeux. Les anciens. Donc, cette porte là, c'est la salle d'élevage. Impossible de savoir. Si on prend pas tous les objets, et vu que c'est pas très très fluide, on s'évite tout ça. Donc j'avais la clé au bon endroit. C'est pas grave. On va pas... hein, ça va. Hein. Ça va. Hein. C'est pas vous qui vous tapez tous les trucs. Vous n'avez plus de place. Bon, ça va. Allez. Finissons ce jeu pour pouvoir en finir un autre. Très bien que je finisse des anciens. Les zombies ont pas le temps de bouger quasiment. Vu que je passe assez vite les portes. Alors, quel est le lien logique entre cette porte là et cette clé? Ah bon? D'accord, illogique, vous avez utilisé la clé de la salle d'élevage. Oui, je jette la clé. Ah, c'est bizarre, hein. Je comprends pas la logique du truc. Bon, après, j'avais la clé, j'avais qu'à tester les portes verrouillées, mais... oh, c'est des hunters. Oh bah, il y en a deux. Alors, comment vous dire que ça fait partie des adversaires les plus redoutables de Resident Evil? À se mettre sous la dent. Run for it, je vois que ça. Je vais sauvegarder quand, moi? Hop là. Il y a un papier. Hop. On le lira après.
Ah mais il faut avancer ma grande, la putain de jeu de merde, ça va me gaver. Putain, tu cours, t'avances, ils prennent 2 heures à bouger là. Ça saoule. De toute façon, je vais clairement pas les buter avec mon pistolet, je vais me faire déchirer, donc autant courir. Donc là, en fait, dans cette pièce, il y a le truc pour en bas. Voilà, c'est vraiment... ça, c'est un peu un truc qui commence à me saouler, j'avoue. Faut que je récupère la clé, faut que je repasse le tube. Le tube en bas. Pas envoyer le bidon d'essence. Je suppose qu'on pourra pas envoyer le fusil à pompe non plus. Eh putain. Ça va augmenter la précision celui-là. Que ça va me saouler le passage qui arrive. À chaque fois qu'on doit affronter une créature, c'est toujours une catastrophe. Mais je sais pourquoi. Parce que c'est vieux. Et que c'est comme ça, Capcom. C'est tout. On aime souffrir. J'aime la mort. Alors. Je vais aller prendre l'objet, lui. Vous me dites si vous avez le bip bip, hein, mais j'avais pas fait gaffe, mais c'est bizarre, ils interfèrent les deux trucs, y'a plus rien qui marche là. Alors, je pourrais aller faire des molotovs, mais je devrais m'exposer à l'autre patate du départ. Et je vous avoue que je suis pas hyper chaud. Donc, ça va la tenter à l'ancienne, je crois. Allure. Ah, la porte a été forcée ici. Qu'est-ce qu'il y a par terre ? Alors, est-ce qu'on peut les dégommer ou pas ? Je pense qu'on va se faire buter. Je retire tout ce que j'ai dit sur le pistolet. Alors.
Rapport sur les ABO. Les recherches démontrent que lorsque l'on administre le virus précurseur à un organisme vivant, de violentes mutations cellulaires provoquent une défaillance du système. De plus, personne n'a trouvé de méthode satisfaisante pour contrôler les organismes afin de les utiliser comme armes. Il paraît clair qu'une meilleure coordination au niveau cellulaire est essentielle pour assurer une croissance durable. J'ai mené un certain nombre d'expériences afin de trouver une solution. Voici mon rapport. Insectes. Ces animaux anciens sont génétiquement stables depuis des millénaires. Est-ce pour cela que l'administration du virus précurseur provoque une croissance explosive et un tel regain d'agressivité? Les imagine difficilement en tant qu'arme bio-organique. Amphibiens. L'inoculation du virus chez la grenouille provoque un allongement des seaux et une croissance anormale de la langue. Cependant, les capacités mentales n'évoluent pas. Par ailleurs, le sujet est pris d'un appétit dévorant qui le pousse à s'attaquer à tout ce qui bouge. Utilité limitée en tant qu'arme bio-organique. Mammifère. Le virus précurseur a été associé à de l'ADN cellulaire de singes. La fertilité s'est accrue et les jeunes ont fait montre. C'est ça. Et les jeunes ont fait montre d'une plus grande agressivité ainsi que des capacités mentales supérieures. Les sujets sont atteints de cécité, mais leurs capacités auditives se sont développées pour contrebalancer cet inconvénient. Cependant, ils ne sont pas efficaces en tant qu'armes. Apparemment, aucun progrès n'est possible sans utiliser d'organismes humains. On aurait pu se cacher quand même. Hein. Heureusement que j'avais des plombs. Par contre, là, c'est le genre de jeu où faut pas s'arrêter quand tu tires. Retour ici. Retour au petit ascenseur. Renvoi d'un petit objet. Bah heureusement qu'ils ont fait la maintenance hein, dans leur ascenseur. Parce que sinon, on était foutus. T'imagines, il tombe en panne. Je peux plus faire le jeu. Faut te balancer les objets. Ah bah non, tu peux plus non plus. Et voilà. Je sais pas si je sauvegarde. En fait, j'ai l'impression que je sauvegarde à chaque action. C'est long. J'allais dire Silent Hill, c'est moins éprouvant. Mais en fait, je dis peut-être une connerie. Parce que Silent Hill, c'est beaucoup plus effrayant. Franchement. J'ai pas appuyé sur la pièce. Entrer une combinaison. Pas tout de suite. Fichier. 3. Croissance des sangsues. Ça fait 4. 8. 4, le nombre a doublé, augmentation des rations, mais perte. Donc on a 4 de base. Le nombre a doublé, donc 8. Augmentation, mais perte de 2, donc 4, 8, 6. 3. Logiquement, 4, 8, 6, 3. Porte déverrouillée. Hell yeah! Bien joué! Ah, cinématique encore? Maybe I could use this. Rebecca here, over. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Really? That's great. Now we can get out. Yep, let's regroup as soon as possible. Over. Roger.
c'est un levier. Parfait. Et ben on va pouvoir se barrer. Hein. Si c'est bon, je suis en train de me dire où je vais. Mais vous avez remarqué que la porte qui était ici était exactement la même que la porte qui est à l'étage d'en dessous. Sauf qu'il y a le dispositif, vous voyez ce qui est cassé là, ce qui est un peu mal fait, bah c'était le dispositif qu'on a trouvé après. Et là, on va se faire un putain de plaisir de sauvegarder tout ce qu'on a fait, parce que... Ah, c'est des gaga. Voilà. Une autre sauvegarde. Oh, le thé, il m'a détente. C'est même pas un thé, c'est une infusion, parce qu'il n'y a pas de caféine dedans. Il y a la vanille. Je suis chill. Mais on est d'accord pour dire qu'il y a toujours des trucs qu'on n'a pas ouverts. Pour l'instant, non. Ah, on a un objet qui est là. Qu'est-ce que c'est ? Une bobine de sortie. Courant semble coupé. Ouais, vous savez ce qui vient de se passer. Vous l'avez vu. On a trouvé comment rentrer dans la pièce à côté. J'en peux plus de ce grappin de mort. Allez, encore un aller-retour, on adore ça. Ouais, sérieux, j'en ai marre. J'en ai un peu marre des allers-retours, je sature. Et les derniers Resident Evil sont beaucoup plus linéaires. Dans le sens où on va jamais au même endroit. Ah, peut-être le 4 à un moment, on revenait. Mais c'était la nuit, c'était différent. Là, il y a 4 niveaux. Enfin, 4 thèmes. Mais on refait des échanges là. C'est chiant. J'avais oublié comme quoi c'était raide hein, comme ça. Ah, les vieux jeux vidéo. On aurait dû refaire un rétro Celtic Hour. Ce serait moins embêté. Non, je déconne. Alors, on va descendre l'échelle. Absolument. Et on va utiliser le grappin de l'autre côté. Parce qu'on a vu sur la carte, il y avait une petite flèche, comme au début. Alors... On va pouvoir échanger des objets. Voilà. Let's go. Yeah. Et c'est reparti. Le grappin, on l'a depuis le début du jeu dans le train quand même, hein. Cette machine régule l'alimentation électrique, vous pouvez l'utiliser pour remettre le téléphérique en marche. Ok. On voit les trous, mais par contre faut être malin un peu. Waouh. Et franchement, je peux avoir mes munitions. Ah, caché derrière le fauteuil, vous avez vu? Derrière moi là, en bâtard.
La porte est déverrouillée. Mais je veux pas sortir. Ok, merci. Je vais aller voir un peu ce qu'il y avait là. Est-ce qu'on a autre chose à appuyer ou pas? Le téléphérique avec ta... Ouais, je vais garder le grappin. Allez, on se casse de là. Oh, les sous-sols et les centres de formation. Mais l'angoisse. On peut pas faire un truc, je sais pas moi. Je veux dire en plein air, non? Ok. Oh non. Un singe de merde. Un putier. Quoi? On est passé dans la merde. Il y a une sangsue maintenant. Il tacle le pied. Ah non, c'est un clone de l'autre. Ouf. Ah bah j'ai plus de vie. Tu veux que je fasse quoi? What? La même cinématique. Bon bah là on essaie de prendre le téléphérique à la zob. Finger cross. Allez putain, je hais ce jeu de merde. Ah vas-y, la configuration originale là, il faut 3 heures pour se retourner. Pff, ça me cave. En plus ils mettent les adversaires de merde là. Ah c'est chiant vraiment. Il y en a qui ont fait ça en difficile au couteau, mais non, il n'y a pas le temps de faire ça. Oui, descendre l'échelle. Ah non, c'est tout avant l'activation. Follow me. Ok. Je vais serrer. J'ai pas le grappin. You stay here. Ok. Faut que j'aille chercher ce foutu grappin.
Vraiment, là, c'est en train de me rendre fou, là. Et franchement, je préfère Dark Souls. Follow me. Ok. C'est en train de me rendre fou. En vrai, c'est comme si t'étais enfermé chez toi avec les clés derrière la porte. Tu vois un peu l'idée? C'est carrément ça Resident Evil 0. Alors, non, je veux pas aller là. Super, Bertana dit s'est trompé d'endroit parce que j'en avais deux. Je m'en conne, je sauvegarde. Même si je sauvegarde 82 fois, je m'en fiche. Oh, puis il doit y avoir un petit succès où tu dois le filer en moins de 3 heures sans mourir, sans te faire toucher. Voilà, après, en connaissant par cœur, tu me diras. C'est beaucoup de tâtonnement. Reviens là. Là, tu me diras, on fait beaucoup d'allers-retours dans le même endroit, mais physiquement, on avance quand même dans le jeu. Hein. On était dans un crâne qui s'est crashé dans un centre de formation qui donnait accès à un laboratoire souterrain qui va donner accès à je sais pas quoi. Alors, ici, 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 ici. Paf. Ensuite. On utilise ça. Par contre, c'est vrai que c'est beau les décors. Hein. Des objets à chaque fois, je trouve ça trop bien moi. C'est des photos quoi. Mais c'est malin de leur part. Ça on connaît. Voilà. On va squeezer. Tiens, je me demande un truc. Peut-on descendre par le trou? C'est trop haut pour sauter. Donc non. C'est à usage unique. En tout cas. Babi babi la bouffe. On va sauvegarder, j'en ai marre de faire les allers-retours. Ah oui, j'enregistre les données. JPP, de tout refaire. C'est très. Comment dirais-je. Limite élitiste. 28 sauvegardes. Ça veut dire qu'on trouve au moins 28 rouleaux encreurs dans le jeu. Puisque les sauvegardes ne sont pas illimitées. C'est chouette. Clic, clac, clic. This way. Ok. Il y a le fusil à pompe et moi j'aurai ça. Tiens, on essaye si c'est l'inverse. On essaie de courir. Et j'ai couru directement pendant la cinématique. Et cher le jeu. Je me suis point fait toucher.
C'est un bâtard l'entité, il a enlevé ça. On les connaît les cinématiques, merci. Bah là on croise les doigts pour pas se faire de gomme. Parce que là je peux pas le tuer. Hein. On court direct. Et hop! Let's go mon gars! Ah! Évidemment faut qu'il y ait un zombie. C'est le magnum? C'est le magnum. Et où sont les munitions du magnum? Eh ben voilà, au début. Au début du laboratoire. Démarrer le téléphérique, non. Oui, parce qu'il y a l'autre bestiole dehors, j'ai oublié. Ah, ça on l'a pas vu cette cinématique là. Il n'y avait rien à voir. Ah si, ça va. Oh, on est encore plus profond, c'est une blague. Succès. Le laboratoire de l'angoisse. Complétez le laboratoire. Ouf, c'était pas de tout repos. Oh. Ça, c'est la plus belle des nouvelles. Alors. Verrouillé depuis l'autre côté. Ça pue leur truc, hein. What? Je vais glisser, chef, on va aller voir la porte en haut avant. Hein. Une sauvegarde? S'il te plaît? Je sais que j'ai pas été très gentil avec toi, le jeu. Moins 1, moins 4. Usine. Ok, la carte de usine. Ok. (Rire)
Oui, on sauvegarde. On vient de passer une épreuve très douloureuse. Ah, puis il y a Billy qui est perdu. Ça va être bien. Ok, alors, il y a une trappe dans cette salle. Et il y a des grenades pour le lance-grenade. C'est scellé. Casque d'ouvrier. Bon. J'ai plus mon lance-grenade, j'ai plus mes munitions de magnum. Franchement, on est bien. Et là, je te dis pas l'aller-retour. Mais on est où là? Je pense que franchement, si on chope la motive, il y a moyen de revenir au début du jeu, à l'accident du train. Ah, oh. En fait, il n'y a pas tant de zombies ou autre chose. Il y a 3-4 créatures. Casse-pied. Qu'est-ce que tu veux que je laisse? Allez, je laisse le grappin. Il n'y a pas d'adversaire, je pourrais peut-être revenir là. Mais c'est chiant, mais c'est pas grave. Alors, à quoi elle sert cette clé? Quelque chose d'écrit sur l'étiquette. On peut lire U. Ok. On a la clé U. Quelque chose est exposé. Un humanoïde géant est en suspension dans un fluide bio-organique à l'intérieur d'une capsule. Le tyran? Ah! Purée, il m'a fait peur ce con-là. Oh, je peux l'esquiver. Ah mais il sort d'où lui? Tricheur. Voleur, menteur. Oh la vache, j'ai eu trop peur. Je fais pas demi-tour avec le téléphérique, c'est mort, vous oubliez. Complet. Alors. Est-ce que c'est la trappe qui est dans la salle de sauvegarde avec 0 indice? Ah, le panneau de contrôle. Oula,
Un gros élévateur. Waouh. Bah voilà, hein. Il est là. On sauvegarde ? Oui. On a plein de rouleaux encreurs, on va pas se gêner. J'aimerais bien que tu sauvegardes, copine. Merci. Ah, remettons-nous là tranquillement. Et préparons-nous à faire un énième caca. Parce que ce jeu, ça fait peur. Ce jeu, ça fait peur. Oh, j'ai pu parler. Il y avait quoi dans mon... Dans mon thé ? Je suis défoncé. Attention. Dodson ! Dodson est parmi nous ! Dodson est là ! Oh, c'est petit. Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Joli chapeau. Et bienvenue. Est là. Joli chapeau. Ah, je pense que... Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Désolé, j'ai pas mis en bonne résolution. J'adore le joli chapeau. Merci beaucoup pour ton follow. Zomb. Tu as un pseudo très long. Alors... Qu'est-ce qu'on a par là? Ça, c'est pour descendre. Ok. Je vois, là, on a l'air libre, là. Je sais même plus le début de l'histoire. Abaisser la plateforme pivotante. Oui, bien sûr. Bonjour à toi. Oh, bah oui. Ça pue. Il va y avoir des bestioles qui vont arriver? Non, ça va. Oula. J'aime pas bien ça. Hop, tu l'as déjà fait, Zumble? Je vais t'appeler Zumble, c'est plus simple. Pour moi. Tu as déjà fait le Resident Evil 0? Je sais pas pourquoi, je sens que ça pue, mais quelque chose de violent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Umbrella, c'est marqué au-dessus. Je ne parle pas français. Ah, do you speak English, maybe? Là, c'est fermé. Et de l'autre côté, on avait un objet. Alors, on va aller voir l'objet de l'autre côté. Ah, mince. Petite cinématique. Oh. C'est qui, ça? My English is very bad. That's okay. You should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Ah bon. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. You won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Oh, la musique. Don't worry. I'll catch up with you. Rebecca. All right. Just be careful. OK, merci. I never saw him again. Ah bah, super. I am Brazilian. Ah, OK, welcome. La clé de l'ascenseur. Let's go. So we tried to do every Resident Evil. Begin by the number 0, 1, 2, 3, etc, etc. Sur la porte, il est écrit salle de sécurité. Inutile de fouiller cet endroit, pourquoi ça? Ah bon. Ok.
utile de fouiller cet endroit. Ok. So, I just find a friend and he leave and I think he is going to die. Ne fonctionne pas pour le moment. Clé de l'ascenseur. Ok. J'ai trouvé une clé d'ascenseur. Ah, je peux peut-être l'utiliser sur la plateforme. Alors, c'est débile. Impossible d'aller plus loin. Ok. I can't use the elevator. And I just find the key. I find this key. Roi doudou. Une clé nécessaire à la remise en route de l'ascenseur. Ok, mais il n'y a qu'une porte. Hmm. Ah. I can try the this elevator, maybe. Vous avez déjà exploré cette zone? What? Mais c'est pas possible. Hmm. So I don't understand. I need to find an elevator because this one it's a elevator key, but I can go this way. I can't go this way because it's right. I have already searched the area, and I can't take back this one. Maybe if I try the key. No. So I must use that. Okay, I just have to push the button just here and not the door. Okay. J'ai pas appuyé sur le bon truc, les amis. I tried to open the door, but I didn't try to use the... Oh, fuck. The button. Okay, it's a big, big boss. I have to run for a while. I think. Oh! Le tyran, c'est lui, avec sa grosse griffe moche. Et c'est le premier humain, normalement, qui a été testé avec le virus T. I think this one, it's the first human with the T-virus. Because it's look like Nemesis. Oh oh, he broke the elevator. Oh, he have a really big heart, but it's not very good. Oh oh. I'm dead. I think I'm going to die. Oh, maybe I can use the magnum. You must die. No. You must die. Okay, I have a magnum. It's a big, big pistolet. Oh, I'm going to die. I have to run and not die. I'm dead. I'm fucking dead. I have to try again. Fuck this game. I have to do this again since I have a save. That's fucking terrible. Je déteste ce jeu parce qu'il faut tout refaire. Bon, maintenant je sais quoi faire, mais il faut que je reparte de très loin. Ah, au milieu du silence et des ténèbres.
Seuls les battements de votre cœur vous rappellent que vous êtes en vie. Ok. I try again. And maybe I can put it down with the magnum. Ok. So, let's push the button. Yes, I push the button. I go down. Ok. I go here. I find my copain, my friend. Hello, friend. Goodbye, friend. I take the key. The key is taken. And I go back to the elevator. And I use the key to the elevator. And I find the big villain. Here, I put the key on the hole. Hop là, oops. J'étais pas devant. Ça, des fois, c'est un peu bête. Oui, oui, il y a une serrure. Hop là. L'ascenseur est activé. Hop. And let's go fight the big boss. It's a really big fighter. Get over here. Ah, it's useless to shoot multiple times. You miss your shot. Fuck you. Oh, last bullet. Ah, I have to evade. Je crois que je dois. Ah, fuck you. Ah. J'ai pété un câble. Ah, c'est la fin. Ça tombe bien, j'en ai marre, c'est chiant. Bon. Eh bien, écoutez les amis, je vais faire un stop ici parce que c'est juste insupportable. Je le réussirai peut-être demain soir. Mais là, c'est la fin de l'heure. Merci d'avoir suivi ça. Et j'espère que ça vous aura plu. On va essayer de le finir. Je pense que c'est la fin là parce que j'en peux plus. Il faut vraiment que ça se finisse. Ils vont trouver le manoir là. Après, ça lance Resident Evil 1. Oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait Resident Evil 1, tiens. On verra quand on le fera. On va déjà essayer de finir celui-là. Bon, bah écoutez, je fais une petite outro. Pour ceux et celles qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, nous rejoindre sur Twitch comme d'habitude, rejoindre les réseaux sociaux, le Discord, aller voir un petit peu ce qu'on fait sur le site du Compendium qui est en train d'être refait à neuf avec toute l'équipe qui vient me filer un coup de main. Ça fait extrêmement plaisir. On va tout refaire à neuf. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour quand ce sera dispo. Je vous fais des bisous. On se retrouve comme d'hab sur Discord hein, pour ceux et celles qui veulent garder le lien. Et je reviens sur Twitch dans quelques instants. Ne bougez pas.